Prier pour protéger la vie de Donald Trump. 28 mai 2018. Message du Seigneur Yahushua à sa messagère et prophète Gwendolyn Song, traduit et lu par Justine. Gwendolyn commence. Bonjour mes frères et sœurs. Vous savez, c'est écrit dans la parole de Dieu que si vous vous rapprochez du Seigneur, il se rapprochera de vous. Et il est aussi écrit que le Seigneur Jésus-Christ va révéler toute chose secrète qui est dissimulée. Le Seigneur a placé le président Donald Trump sur mon cœur très souvent dernièrement, et une demande de prière quotidienne pour lui et son cabinet. De nouveau ce matin, le Seigneur a révélé le besoin spécifique de prière pour la sécurité de notre président. Dans un rêve surnaturel, le Seigneur m'a amené à la Maison Blanche et il m'a permis de voir l'organisation quotidienne de l'équipe de sécurité du président. Il m'a permis de voir que la personne qui supervise tous les détails de cette fonction est visée par une infiltration de la part de l'ennemi. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est que si les enfants de Dieu ne jeûnent ni ne prient pour la sécurité du président, une heure viendra où une brèche dans l'équipe affectée à sa sécurité mettra en danger sa vie. Les amis, s'il vous plaît, rejoignez-moi en tant que corps de Christ pour prier pour ceux en position d'autorité dans notre nation, les États-Unis, en particulier notre président, Donald Trump. Une prière qui ne soit pas condamnatoire, en allusion au fait que notre président soit ou pas dans le Seigneur, mais une prière sincère pour protéger la vie du président ainsi que la sécurité de notre nation dans son ensemble. En tant que fiancés de Christ, nous devons nous unir et intercéder davantage pour les opérations journalières de l'équipe de sécurité de notre président. Préparons tous nos vies pour l'arrivée du Seigneur. Faisons en sorte qu'il nous trouve tous occupés jusqu'à son retour, défendant l'innocent et ceux qui n'ont pas de voix. Soyons occupés avec les affaires de notre Maître, de sorte que lorsqu'il viendra comme un voleur dans la nuit, nous serons prêts pour le rencontrer dans le ciel. Shalom.